Cet ouvrage est tiré directement de ma, de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à la fin de l'année 2014. Cette thèse s'intitule Les entreprises de la Gironde sous l'occupation 1940-1944. J'ai pu ainsi publier différentes choses, notamment des articles, des, des conférences. Un premier ouvrage également issu d'un chapitre spécifique qui portait sur la spoliation des biens juifs. Mais ici, c'est mon deuxième ouvrage publié aux éditions Memoring, plus développé, plus consistant, deux à trois fois plus important que mon livre précédent. qui porte sur un sujet inédit, euh, très neuf, sur lequel j'ai tenté, j'ai tenté de me positionner avec euh, sérieux et apaisement sur les, les vins de Bordeaux à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, avec un champ chronologique assez intéressant, c'est pas 1939-1945, mais 1938-1950. Avec l'idée que la guerre se prépare avant et surtout les effets euh, se diffusent largement après la fin de la Seconde Guerre mondiale et même la fin de l'occupation en 1944. De mon point de vue, effectivement, les années de la Seconde Guerre mondiale euh, s'inscrivent dans un temps moyen, qui est celui des années 1930-1950. Les, les effets sont loin de s'arrêter en 1945. Euh, D'ailleurs, les, les vins de Bordeaux, euh, euh, il faut que l'on s'accorde de quoi il s'agit. Ce n'est pas uniquement, par exemple, une monographie sur les négoces. C'est peut-être attendu, mais euh, les négoces, le négoce a une place importante dans mon travail, dans, dans ma thèse, en tant qu'élément clé de financement de la filière, qui participe bien évidemment à la renommée des vins de Bordeaux, mais c'est vraiment une double. Une double approche. D'abord une approche actorielle très forte où je m'intègre j'intègre l'ensemble des acteurs de la filière, négociants certes, mais aussi viticulteurs, coopérateurs, euh, courtiers. Euh, mais il y a aussi une, une dimension sociale très forte où je m'intéresse, une dimension culturelle même, dans la mesure où je m'intéresse aussi aux consommateurs, aux girondins. Un petit peu difficile et compliqué de résumer ça en quelques mots, mais les girondins ont manqué de vin sous l'occupation, qui a été très très mal vécu par les girondins, associé à ça a même pu entraîner un basculement de l'opinion en défaveur du régime de Vichy. Donc c'est à la fois une approche de filière, une approche économique, une approche sociale, approche même politique, dès l'instant où je m'intéresse en particulier au rôle des négociants et des viticulteurs dans les différents mouvements de collaboration. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui est centré sur un acteur en particulier, mais qui embrasse tout un secteur, toute une économie, tout un tissu social et humain qui touche de près ou de loin au vin de Bordeaux. C'est intruisme de dire cela, mais ce travail a été possible uniquement à travers le, un gros travail d'archives, archives archive très variées, archives d'entreprises. J'ai pu ainsi toucher quelques archives de Château, mais il était très compliqué de, de toucher toutes les archives dans la mesure où par le jeu des fusions, acquisitions, des rachats, beaucoup d'archives ont disparu, celles des années 1930-1950, sans y voir bien sûr une malintention, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. J'ai pu également croiser cela avec des archives de négoces, des archives de syndicats, euh, des archives aussi de la chambre de commerce. Et dans la mesure où Vichy et l'occupation est aussi marquée par une démultiplication des services administratifs en relation avec les affaires économiques, j'ai dû également, Rentrer dans les arcanes des services administratifs allemands et vichistes qui ont produit pléthore d'archives, qui à Bordeaux, qui en Gironde, qui en France et même en Allemagne. J'ai pu ainsi consulter quelques archives à Fribourg ou à Berlin notamment.